dire ok, on n'entend plus rien. Dans le backstore. Comme ça, tu pourrais nous le dire. Ça tourne. Ok, on est reparti? Oui. Dites-moi que vous m'entendez, s'il vous plaît. Mais là, en ce moment, moi, je fais des prières. Donc, on revient. Là. Ok, ok. Parce que là, dans le fond, vous m'entendez plus. Fait que là, dites-moi si vous m'entendez, s'il vous plaît. À cause qu'on a reçu un appel et ça a bugué le live. Fait que j'espère que vous m'entendez. Ok, dites-moi si vous m'entendez. C'est tellement poche quand ça fait ça, hein? Ouais. Je me sens comme un gars qui est comme, ok, discasse, tout le monde m'entend. Oui. Oui? On nous entend. Oui, ça marche? Ouais. Ah! Oh, c'est stressant quand ça fait ça, c'est vraiment pas le fun. En espérant que vous continuez à nous entendre, sinon on va être vraiment triste. Ben, je vais me dépêcher de bord pour finir, ok? Ouais. Et ça, c'était le dernier look. Fait que... Je pense que là, on nous entend bien et c'est probablement vraiment causé par l'appel. Ben oui, quand les gens nous appellent sur le téléphone, ça a tendance à faire bugger les lives. Bon, en tout cas, je suis vraiment désolée, là. En plus, on a perdu tout le monde. Évidemment. Et là, ça revient. Ok, ok. Il y en a quelques-unes qui étaient là. Oh donc, non, je suis toute mêlée. Hey, c'était difficile aujourd'hui, là. Ok. Ok, ah, une chance que vous êtes patiente hein, avec nous autres. Ouais, je pense qu'on a des clientes gentilles. Vraiment, elle est bien fatigante, la fille, là. Ça fait trois fois qu'elle est pognée dans son micro. Ok, je vais finir par la voir. Parce que vu que je l'ai mis vite, je l'ai pas repassé en dessous de mes affaires. Ok, bon, on va enlever ça. Oui, je sais, j'ai dû repenser. Ah oh, non, ah oh, oui. Ah! Oh! Ok, je vais faire ça demain. Ok, bon, dernier kit, mesdames. Oh non. Je suis plus capable. Oh! Oh non! Bon, ok. Hey, c'est pas drôle, là. Non. Ça nous arrive en live. Ça marche-tu, là? J'ai débranché le micro. Ben, les gens nous écoutent, là. Mais... Oh, s'il vous plaît. Ok, bon, on enchaîne. On enchaîne avec. petit chandail à 55. Celui-là, il est super, super confortable. Donc, avec du noir, ça fait vraiment beau. Avec du marine, ça fait vraiment beau. Là, moi, je l'agente avec du noir. Ça porte bien avec le micro. Il se porte très bien avec le micro. Regarde, tu vois, ah, il est vraiment doux, ce chandail-là. Waouh! Il est vraiment... On peut-tu voir un peu la texture si je m'avance? On dirait comme un... Mais c'est vraiment doux, là. Mettons, je me flatterais pendant la journée, là. Vraiment qu'il est doux, mais il est vraiment mince. C'est vraiment très, très mince. Fait que je pense pas qu'on aurait chaud là-dedans, même si vous êtes chaleureuse. J'aime vraiment ça, le style un petit peu abstrait, asymétrique. Il y a comme des formes, on dirait qu'il y a des dessins au travers. C'est vraiment un look que j'aime. Avec ça, je pourrais y aller avec le petit foulard marine. Hey, j'aurais même pu mettre une camisole comme... J'aurais pu aller chercher une couleur, là. J'aurais mis une belle camisole jaune en dessous. Ça aurait été super beau. Pour faire un punch de couleurs, si vous aimez les couleurs, ça aurait été vraiment très beau. Puis, ça aurait été super beau sur un jean aussi, hein. Fait que, tiens, je pourrais mettre un petit foulard avec ça. Ça serait bien, bien cute. Puis là, on marie le noir et le marine, hein. Des fois, il y en a qui sont pas sûrs. On peut marier les deux, mais oui, c'est deux couleurs qui s'agencent et qui vont ensemble. Fait qu'hésitez pas, marine et noir, ça fait super bien. Fait que je mets même la ceinture marine, oui, oui, sur mon pantalon noir. Je fais rappel en fond de mes accessoires. Regarde, tu vois, c'est vraiment beau, là. Moi, j'adore ça. Mais vous le voyez même, le mélange genre de marine et de noir dans le chandail. Fait que si, pour celles qui hésitent, là, qui sont réticentes, non, non, ça s'agence vraiment ces deux couleurs-là. Il est vraiment doux. C'est vraiment confort. Okay. C'était super beau. J'aurais pu mettre un collier aussi. Mais donc, ça se tente. Je n'ai pas mis aujourd'hui des colliers. On va aller chercher un petit collier. Ça serait vraiment cute. Il faut juste qu'il en reste. Ça, ça serait beau, hein, ça. Oh oui, ça, ça serait beau bout. Fait qu'il y a un petit collier comme ça. C'est comme vert sarcelle. Tu peux mettre ta main derrière. Mais je vais le mettre une manière sur mon chandail. Puis la corde est brune. Ça va s'agencer super bien là, avec ça. J'enlèverais peut-être ça par exemple. Tiens. Regarde, ça fait beau. Hey, j'aime ça. En plus, vu qu'il y a de la transparence, on voit comme les couleurs à travers. Ça fait vraiment beau. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi, je trouve ça vraiment cute. Vu que c'est transparent, ça ici, bien, vous allez comme rechercher tout l'éventail de couleurs que vous avez dans votre chandail. Ça fait beau. Regarde.
On dirait que comme là, il tombe sur le jaune, on dirait que mon petit point est jaune. C'est très joli. Hey, c'est cute au bout. Ça fit. Ah, j'aime vraiment ça. Puis il se confond un peu dans le chandail, fait que vous auriez pu mettre, mettons, si vous aviez voulu vraiment qu'on le voie, vous auriez pu mettre, mettons, une corde marine, une chaîne argentée. Là, j'ai mis comme une petite babiche brune, donc on la voit moins, elle se confond un petit peu plus au travers. Et le col, on le voit-tu aussi ici? Le col, il est comme fendu sur le côté. Fait que ça fait vraiment cute, gars. On le voit-tu? Ouais. C'est super joli. Et pour celles qui n'aiment pas avoir le col près du cou, ben avec celui-là, vous avez un genre de petit col montant, mais il n'est pas serré au niveau de votre cou. Donc, ça peut être une très bonne option. Celui-là, on l'a dans d'autres motifs aussi. C'est tout le même fit. Fait vraiment très cute aussi. Et c'est ça. Fait qu'on a-tu perdu tout le monde? Non, ben alors. OK, on est, OK. On est retombé une quarantaine. OK, au moins. Donc, fait que c'était ça pour les 4 looks avec les nouveautés que je vais vous montrer aujourd'hui. On n'oublie pas qu'à partir de demain, on commence la campagne Virage Voix Rose. Donc, c'est pour le cancer du sein. Chaque commande que vous allez faire ou chaque achat en boutique que vous allez faire va nous permettre de remettre 5$ à la cause. Donc, à chaque fois qu'il y a un achat qui est fait, on remet 5$ à la cause grâce à vous. Ça va se faire dans nos deux boutiques et sur le web aussi. Pour le concours aussi qu'on avait fait pour la nouvelle collection, la gagnante va être annoncée samedi. Donc, cette semaine, on va annoncer la gagnante du concours pour la nouvelle collection. Donc, qui fait remporter l'item de son choix. Donc, je pense que ça fait le tour en temps. J'ai tout dit. Oui. Qu'est-ce que je voulais dire? OK. Hey, merci d'être revenu sur le deuxième live. Je suis vraiment désolée. Aujourd'hui, on a un petit peu des petits problèmes avec les micros, etc. Mais vous êtes toujours là, toujours fidèles. On vous aime bien, bien gros. Merci d'être là. Et j'espère que vous allez participer à la campagne Virage Voix Rose pour le mois d'octobre, jusqu'à la fin du mois d'octobre. On aimerait ça, c'est sûr, remettre le plus de dons possible. Donc, j'espère que vous allez participer en grand nombre et que vous allez embarquer avec nous pour cette belle association qui nous tient à cœur et qui touche plusieurs femmes aussi. Donc, voilà. On dirait que j'étais sérieuse aujourd'hui. Non, OK, pas drôle. OK, fait que voilà, fait que vous pouvez écrire en commentaire, aimer, partager, ça nous aide tout le temps, vraiment, vraiment beaucoup. Donc, ça, c'est comme, ça nous aide énormément à se faire connaître et ça nous encourage à continuer à faire des belles capsules avec vous à toutes les semaines. Donc voilà, là, j'ai vraiment tout dit. Fait que passez une belle semaine et n'oubliez pas, à partir de demain, hein, Virage Voix Rose, donc tous vos achats, on remettra 5$ à la cause. OK, bye, bonne soirée tout le monde.